أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما تحب وترضى بسم الله je m'excuse hein donc d'être arrivé aussi tardivement et de ne pas avoir assisté pas pu entendre pour son intervention, ça m'aurait beaucoup aidé. C'est très dommage, moi, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Donc je m'excuse pour ce retard de la chez les Mektoum. On m'a fait un peu un résumé de son intervention, donc je vais essayer d'être complémentaire pour que le débat soit le plus riche, le plus enrichissant possible pour nous tous. Il a abordé au niveau de la conception coranique de ce qu'est le bonheur, la conception islamique, d'une manière plus générale. Je vais, moi, pour ma part, essayer de vous faire un état des lieux, peut-être à la fin revenir sur des concepts islamiques, des concepts coraniques, qui nous donnent un peu une autre conception un peu du bonheur. Mais je vais être surtout développer d'abord un état des lieux un peu de ce qu'on vit actuellement, du contexte dans lequel on est, en vous donnant un peu quelques chiffres par rapport à des réalités de notre vie quotidienne, de la vie, de ce qu'on appelle la vie moderne, hein, de ce que moi j'appelle la modernité marchande, c'est-à-dire un peu cette vie qui est à la fois basée sur des conceptions philosophiques qui viennent des siècles des Lumières, et qui est basée aussi sur un système qu'on croit économique, mais qui est plus l'économique, qui est le système de la marchandise. Donc ce contexte dans lequel on vit, qui n'est pas un contexte occidental, loin de là, qui est un contexte mondialisé, qui est apparu qui a pris ses assises en Europe, et puis en Europe d'abord il y a à peu près 3 siècles, et qui s'est mondialisé ces dernières décennies. C'est important d'en parler parce que ça nous donne un peu vous savez, les philosophes des Lumières, on peut critiquer la modernité actuellement, vous savez, c'est même en vogue de critiquer la modernité. Que vous soyez de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, de droite ou de gauche, que vous soyez libéral, actuellement tout le monde critique. Certains parleront des excès de la modernité, d'autres parleront même des fondements de la modernité. Tout le monde critique l'individualisme qui est issu de cette modernité, le fait que les gens vivent dans cet égocentrisme. Tout le monde le critique, tout le monde critique ses excès. C'est devenu un lieu commun de la pensée philosophique. Au tout début, c'était ce qu'on appelle les réactionnaires, hein, c'est-à-dire les traditionnalistes, c'était ceux qui étaient opposés à cette modernité, l'un des premiers fondements, ça a été justement cette séparation avec tout le rapport au transcendant, le rapport à Dieu. Au début, c'était le rapport à la religion, c'était le rapport au catholicisme, au christianisme, mais après, c'était un rapport beaucoup plus élargi, c'était le rapport à Dieu. Et même cette rupture en disant que les personnes, l'individu, hein, parce que l'individu même, c'est très moderne, hein, l'individu, c'est la personne à qui on a individu, c'est ça, l'étymologiste, qu'on ne peut plus diviser, c'est-à-dire c'est une personne à qui on a tout retiré. On lui a retiré son rapport transcendant, on lui a retiré son rapport communautaire ou son rapport social. Maintenant qu'on lui a tout retiré, il est enfin homme. C'est ça la conception moderne. C'est quand on a séparé l'homme de tout ça, qui se définit plus par rapport à son clan, plus par rapport à sa tribu, plus par rapport à Dieu, plus par rapport à sa communauté, mais il se définit par lui-même. C'est ça la conception moderne de l'homme, et ça produit ce qu'on appelle actuellement l'individu, etc. C'est la base de la conception moderne, puis après est venue toutes les philosophies libérales, Même chez les libéraux, actuellement, nous avons des gens comme Tocqueville, ça, dans ses écrits, qui a une critique acerbe, une critique profonde de la modernité, en disant qu'on passe à des excès qui sont plus tolérables, et qu'on va droit vers le mur. Donc tout ça, c'est dit, c'est répété, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que ces philosophes, au début, quand il développait ces conceptions-là, en pensant que le problème de l'homme, c'est qu'il était attaché à sa communauté, attaché à Dieu, et c'est ça qui fait qu'il ne peut pas être heureux,
Et pour qu'il soit heureux, il faut qu'il soit lui-même. Donc être lui-même, c'est se détacher de tout ça. L'objectif, c'est vraiment c'est ça. C'était, on va créer le bonheur sur Terre. Et que si le clergé nous a trompés en nous disant « on souffrait sur Terre », ce n'est pas grave, parce que le bonheur n'est que après la vie. Donc après ce monde-là, eux ils disaient « non, c'est faux, c'est une escroquerie. Au nom de ça, on vous a floué, on vous a trompé. » Et il y a clairement une classe dominante, une classe sociale riche qui s'est créée au nom de ça. Aujourd'hui, on vous dit, on va créer le paradis sur Terre. C'est l'idéologie qui est libérale, donc c'est ça, qui disant que si on laisse faire le marché va créer le confort matériel, le bien-être, voire le bonheur. Et puis, c'est toutes les idéologies, soit de gauche, d'extrême gauche ou de droite. Tout le monde disait que c'était possible de créer. Actuellement, on se rend compte, bien sûr, c'est une évidence, on se rend compte que c'est pas le cas du tout. Mais quand on se rend compte, on ne remet pas en cause le fondement. On dit, en fin de compte, c'est le prix à payer. C'est-à-dire, pour avoir ce confort matériel, parce qu'il y a un confort matériel, il y a un bien-être, un bien, ouais, être, on peut l'appeler comme ça, il y a un confort matériel qui est acquis, pas toute la planète, bien sûr, se fait au dépend des autres, certainement, mais en particulier en Europe et en Occident, il y a un confort matériel, et ce confort-là, ben, un peu, c'est le prix à payer, donc ce mal-être existentiel, c'est un peu le prix à payer de la modernité. Que si on veut être libre, entre guillemets, parce que quand l'homme est indépendant de Dieu, c'est la conception moderne, et ben on est libre. Hein, dans la conception moderne, la liberté, c'est la rupture, c'est savoir couper, c'est savoir rompre, c'est rompre avec sa communauté, voire même rompre avec sa famille. Hein, c'est-à-dire que tu es toi-même d'abord, tu es toi, tu n'es pas le fils à tes parents, tu es d'abord toi, tu n'es pas un membre de ta communauté, c'est pas ta communauté qui te définit. Donc, on va vivre une crise existentielle, une crise de sens, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour atteindre le bonheur sur Terre. Le problème, c'est qu'actuellement, quand on voit certains chiffres, hein, c'est vrai qu'il y a, un sociologue, Durkheim, qui est le sociologue qui a peut-être le plus étudié la question du suicide. La question du suicide. Et il nous donne des chiffres en disant que c'est la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, c'est 1830. Et qui avait fait des chiffres sur cette première guerre mondiale. Il disait que c'est surprenant. Vous savez que au début de la révolution industrielle, hein, 19e siècle, on a eu des chiffres qui se sont multipliés au niveau des suicides. Qui se sont multipliés. Ils sont passés en 1830 à 5 pour 100 000 et en 1906 à 25 pour 100 000. Ça veut dire que les chiffres du suicide se sont multipliés par 5. Les gens se sont posé la question, comment c'est possible? Comment une société qui évolue matériellement, qui arrive à donner un certain confort, qui est en pleine révolution industrielle, une révolution moderne, arrive à avoir des chiffres aussi ahurissants au niveau des suicides? Et quand il avait fait son étude, il avait remarqué une chose, que durant la guerre de 1830, la France contre les Prusses, ce chiffre-là, durant la guerre, il y a eu une chute de suicides en France et en Prusse, hein, ce que pense actuellement. L'Angleterre, qui n'était pas en guerre, continuait à avoir, qui était en pleine révolution industrielle, continuait à avoir des chiffres élevés au niveau des suicides. Donc ce qui a choqué, c'est que l'un des facteurs qui fait en sorte que les gens ont encore l'envie de vivre, un des facteurs, c'est surprenant, c'était la guerre. Et que l'un des facteurs les plus importants, pourtant, qui faisait que les chiffres de suicide augmentaient continuellement, c'est l'entrée dans la modernité et l'entrée dans la société industrielle. Première chose. Deuxième chose, ils se sont rendus compte que parmi ceux qui se donnaient la mort, c'était la classe bourgeoise, la classe riche, qui avait les taux les plus élevés que la classe ouvrière. Or, durant la révolution industrielle du siècle dernier, de l'avant siècle dernier, là, vous savez, ce n'était pas les conditions actuelles, c'était des conditions très difficiles. Malgré les conditions sociales très difficiles des classes les moins aisées, ce n'était pas eux qui se suicidaient. C'était plutôt les classes riches, hein, les classes plus élevées. Deuxième point, après, qu'il y a eu d'autres études sur cette question du suicide,
On s'est rendu compte qu'entre 1965, donc là maintenant on est dans notre époque, 65 et 1985, les taux de suicide en France et en Occident ont doublé. Par contre, on s'est rendu compte que c'était plus les classes riches qui se donnaient la mort, c'était plutôt les classes les moins favorisées qui commençaient à rattraper, qui arrivaient au même taux que les classes les plus aisées. Alors comment expliquer tout cela? Comment expliquer que, déjà premièrement, cette aberration, comment expliquer que c'est dans les pays dits riches qu'on a les plus hauts taux de suicide? Comment expliquer que dans ces pays-là, au début de la révolution industrielle, c'était dans les classes les plus élevées? Comment expliquer que maintenant, c'est plus dans les classes pauvres, plus dans les quartiers et plus dans les banlieues qu'on a des taux élevés de suicide qui ont rattrapé les taux qu'on avait dans les classes? La seule explication valable qu'on peut donner, c'est qu'au début de la révolution industrielle, les classes les plus élevées et les classes riches étaient déjà installées dans le concept moderne, dans le concept de la rupture, dans la famille mononucléaire, dans la rupture avec la communauté, la rupture même dans la famille, etc. Ces gens-là étaient déjà dans cette conception-là, dans cette manière de vivre, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient des taux plus élevés. Alors que les classes pauvres, même s'ils vivaient des conditions sociales très difficiles, ils maintenaient un peu ce lien à la communauté, ce lien au village, et ce lien à la religion aussi, etc. Et pour quelle raison actuellement on a ceux qui ont des taux élevés de suicide, ce sont aussi maintenant, c'est-à-dire que les pauvres ont rattrapé les riches, c'est qu'actuellement, ce qu'on appelle les pauvres, c'est pas l'extrême pauvreté, hein, parce que l'extrême pauvreté, c'est des taux de suicide énormes. Hein. Je parle pas de l'extrême, moi je parle des classes les moins aisées, c'est-à-dire les classes sociales donc défavorisées. Pour quelle raison? C'est tout simplement que ces classes sociales-là ont intégré dans leur manière d'être, leur manière de voir le monde, et leur manière de voir leur existence sur Terre, ils ont intégré ces conceptions modernes. Et actuellement, en plus des conditions sociales défavorisées dans les banlieues, vous avez aussi des familles mononucléaires, vous avez aussi des taux de divorce très élevés, vous avez aussi des familles éclatées, etc. Et vous avez beaucoup de gens qui ont fait aussi un grand retrait par rapport à la religion et par rapport à la croyance. Parce que ces facteurs-là, vous savez, les chiffres le démontre, c'est-à-dire que la question de les pays où les taux de suicide sont les plus élevés, ce sont les pays qui sont les plus sécularisés, qui ont un plus grand retrait et une plus grande réticence par rapport à la question religieuse. Ce sont les pays comme les États-Unis et la Suède où il y a les plus grands taux de divorce, c'est-à-dire où les familles sont éclatées. Ce sont aussi les pays où le taux de fécondité est le plus bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus la personne vit de manière isolée, plus la conception de la vie elle est individualiste, plus les relations sociales s'appauvrissent et plus les taux de suicide augmentent. Et en fin de compte, et quand je dis relations sociales, c'est aussi les relations entre l'homme et pas que les relations sociales, c'est aussi la relation entre l'homme et Dieu, parce que même la question de la religion est un facteur aussi. Plus on s'écarte de la religion, et ce qui est impressionnant, c'est que des études ont été faites en Inde et en Chine. Ils ont fait des études en Inde et en Chine sur deux types de populations dans le pays. Ils ont pris des personnes alphabétisées, de classe sociale aisée, et des personnes qui sont non alphabétisées, et de classe sociale pauvre. La différence du taux de suicide, elle est triple. Plus les personnes sont intégrées au système mondial de la modernité marchande, plus les taux de suicide se multiplient, et là, on est dans un taux de suicide multiplié par 3. Alors c'est vraiment impressionnant, parce que l'idée qui est en vogue, c'est de croire que la pauvreté conduirait au non-sens, que la pauvreté conduirait au fait de rejeter la vie, etc. C'est pas ça du tout. C'est l'isolement de l'humain. Et quand je dis l'isolement, c'est la séparation. C'est pour ça qu'on répète toujours que l'islam, c'est d'abord la religion du lien. L'islam, c'est la religion du lien. Et la religion du lien, quand on a 5 piliers, et s'il y a un pilier
qui est un pilier individuel, c'est la personne seule qui témoigne devant Dieu et qui dit je reconnais Dieu, je reconnais son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier pilier. La pratique de ce premier pilier se fait à travers les quatre autres piliers, mais il se fait à travers la communauté. Que ce soit le ramadan, que ce soit le hajj, que ce soit le zakat, tous les autres piliers se font à travers le lien avec les gens. C'est-à-dire qu'on adore Dieu à travers le lien avec les gens. C'est pour ça que ces chiffres-là qui maintenant peuvent paraître surprenants, quand on le compare un peu à la manière dont dans l'islam qu'on soit la vie sur terre et qu'on soit l'au-delà, c'est-à-dire que l'islam fait en sorte que les liens humains soient préservés. C'est fondamental. C'est pour ça que la médisance, elle est rejetée. C'est pour ça que certains comportements, le lien communautaire est fondamental. Et quand on vous dit que vous êtes attaché à la communauté, on doit dire oui, on est fier de l'être. C'est important, c'est hyper. Le lien à Dieu, c'est-à-dire ce lien, il est fondamental. L'être humain ne perd tout son sens à l'existence si le lien à l'autre disparaît ou s'appauvrit, et si le lien avec Dieu disparaît ou s'appauvrit. C'est un fondement. Et si, vous savez, on s'est rendu compte que plus les valeurs traditionnelles, non, je suis pas de droite ou bien ni de gauche, hein, mais c'est quand même une évidence, c'est-à-dire que plus les valeurs traditionnelles se perdent, plus le taux de suicide augmente. Plus les valeurs modernes s'ancrent en vous, et quand je dis les valeurs modernes, on va en parler, tiens, et plus les taux, plus le taux de suicide augmente. Alors, je dis au monde. Ça, c'est fondamental, c'est que quand tout le problème, ça c'est ce que disent certains, tout le problème c'est comment faire pour qu'on ait ce lien social, ce lien communautaire, ce lien avec les gens, même en dehors de la communauté. Ce lien qui fait qu'on a 5 prières par jour et qu'à la mosquée 5 fois par jour on rencontre des gens, etc. Comment faire pour que ce lien là on ne tombe pas dans l'autre excès, parce que si les philosophes des Lumières ont cassé la communauté religieuse, et si aujourd'hui on nous accuse de communautarisme, quand on met isme, ça justifie le fait de critiquer la communauté. Mais en fait, bon, c'est la communauté qui est critiquée, c'est pas le communautarisme. Pourquoi ? C'est parce qu'il fut un temps, où les gens ne réfléchissaient pas par eux-mêmes. C'était le curé du village qui décidait pour les gens. C'était ça le fond. Pourquoi ça a été cassé ? C'était ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'homme n'est pas émancipé. C'est-à-dire, quand les gens leur demandaient leur avis sur un sujet, ils disaient il faut aller voir le curé, c'est lui qui vous dira le sujet. C'est-à-dire, l'homme, ça en islam, ça n'existe pas. Si c'est ça le communautarisme, ok, ça n'existe pas. On réfléchit par soi-même et on réfléchit par rapport à ses sources et par rapport à ses... On réfléchit pas, on se délègue pas. On ne délègue pas sa manière d'être à qui que ce soit. Ça, c'est une évidence. Par contre, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout l'équilibre, parce que toutes les questions d'équilibre, tout l'équilibre, c'est de savoir comment faire pour que... Parce que c'est la clé du bien-être. Il ne faut pas dire du bonheur, parce qu'après on parlera du bonheur, c'est un autre... Mais comment faire pour que nos liens communautaires... comment faire pour qu'on ne finisse pas comme des baleines qui se suicident dans les plages? Comment faire pour que le lien communautaire et le lien avec Dieu soient très forts, pour qu'il y ait un sens à notre existence? Et comment faire pour que ce lien communautaire ne soit pas une manière d'écraser la personne? Parce que ça, ce n'est pas permis en islam. On n'écrase pas la personne. La communauté, vous savez, c'est un peu comme au bled, etc., où tout le monde est espionné par tout le monde, où on n'a plus de vie individuelle. Hein, c'est la communauté vous écrase, c'est-à-dire vous n'êtes plus vous-même. Comment faire pour être soi-même, vous direz certains, pour ne pas être écrasé pour la communauté, mais comment faire pour que ce lien communautaire soit essentiel? Vous savez, il y a eu une... Ça, c'est surtout des auteurs protestants qui ont parlé du Oliba. Le riba, c'est fondamental parce que, bon, avant, pour acheter, on économisait. Avant, dans les premières décennies, le tout début de la société industrielle, c'était une travailler dur pour ses enfants, c'était une valeur. Travailler dur pour même son pays, c'était une valeur. C'est-à-dire,
Les gens étaient prêts à souffrir toute une vie et de ne recevoir aucun bienfait lui-même, ça, tant que ses enfants ou tant que la communauté allait profiter de ses bienfaits. C'était une valeur, ça. Et c'était la société du travail. Et c'était cultivé. Ouais. Et dans toutes les sociétés, que ce soit les sociétés communistes, ou les sociétés capitalistes, ou même chez les nazis, quoi, il n'y a pas une conception idéologique moderne qui n'a pas cultivé le travail. C'est l'unanimité de l'extrême droite à l'extrême gauche. Hein, dans les camps nazis, c'était écrit « La société va vous donner la liberté, c'est le travail ». Dans les goulags, c'était la même inscription. Par le travail, libérez-vous. C'est-à-dire que ça, cette conception du travail comme étant fondamentale, ça, et dans l'idéologie protestante, c'était ça. C'est que l'être humain sur Terre, c'est par le travail qui va se laver du péché originel. Donc le travail, c'était fondamental, ça. Donc on travaillait pour économiser. Et le fait d'économiser, le fait de mettre de côté de l'argent, c'est une valeur noble. Quand on est passé à la société de consommation, il y a eu un bouleversement. Parce que la société de consommation, le travail, c'est bien, ça continue. Bon, il faut s'échiner au travail, hein, il faut qu'il y ait toujours cette exploitation du travail, il faut que ça soit central dans votre vie. Mais c'est pas possible d'engranger de profit si les gens ne commencent pas à consommer et à multiplier la consommation. Parce que tout ce qu'on produit, il faut bien que les autres le consomment. Donc il y a eu un renversement, et on est passé à la société consumériste. C'était plus la société du travail, c'était la société consumériste. Le problème, c'est que acheter, c'était pas suffisant. Et économiser, c'était plus une valeur. Donc il fallait que les gens achètent maintenant avec l'argent qu'ils n'avaient pas. Acheter maintenant avec l'argent que tu n'as pas, c'est s'endetter, c'est le riba. C'est ça. C'est pouvoir, c'est marchandiser l'argent. C'est ça. Et marchandiser l'argent, c'est transformer l'argent en une marchandise. C'est-à-dire, on vend de l'argent. Donc quand je vends quelque chose, je fais ma marge, je fais mon bénéfice. C'est l'intérêt. Et on est passé à un autre type de société. Et le crédit, en fin de compte, c'est quoi le crédit? C'est quoi le crédit? C'est en fait se désintéresser du futur. C'est vivre le moment présent. C'est tout le contraire de nos croyances. Nous, toute notre vie, elle est basée sur le futur. Elle est basée sur le moment présent, etc. Elle est basée sur le retour aux sources. C'est aussi un passé, la vie des prophètes, des compagnons, etc. Et elle est basée sur le futur. Et le futur, même après la mort. Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est par rapport à un futur. Et on engrange. Hein? Que ce soit matériellement, que ce soit à travers le hasanet. On engrange. Et c'est ce qu'on recherche. Le riba, c'est se désintéresser du futur. C'est consommer maintenant ce que tu penses pouvoir produire plus tard. C'est-à-dire, c'est prendre l'argent que tu n'as pas encore en disant que je l'aurai après, je consomme maintenant. Et ce désintérêt du futur, c'est quoi? C'est vraiment l'égoïsme. C'est ça. Parce que qui te dit que demain tu vas être là, tiens? Donc tu laisses une dette. C'est ça. Le riba par lui-même, c'est l'égoïsme. C'est moi d'abord, et tant pis si je suis pas là. Et de toute façon, je vais mourir. Autant en profiter tout de suite. C'est vraiment ça. C'est vraiment le plaisir immédiat au dépens des autres qui vont arriver après. Et ça, c'est la rupture du lien. Parce qu'en fin de compte, quand je donne l'exemple dans les sociétés traditionnelles, plus ou quand un jeune s'installait, c'était le devoir des parents ou des aînés de l'aider à s'installer. C'était ça. Il y avait un lien entre les ascendants et les descendants, il y avait un lien entre les parents ou les frères aînés et les plus jeunes, qui faisait qu'il y avait une solidarité intergénérationnelle, qui fait qu'on vit comme ça. Ça crée le lien, ça crée la solidarité familiale, c'est-à-dire même clanique, même communautaire. Et ça crée aussi cette idée de dire qu'on consomme ce qu'on a maintenant et non pas ce qu'on va avoir plus tard. Ce qui s'est passé avec le riba, c'est quoi? C'est que maintenant, un jeune qui veut s'installer, qu'est-ce qu'il fait? Il ne demande pas à ses parents. Il demande au banquier. C'est ça. Il demande au banquier. Et c'est un autre type de lien. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le délitement de tout le lien social, même aux dépens de nos principes. Je vais vous citer une citation de Nietzsche. Hein, Nietzsche, parce qu'on connaît Nietzsche par rapport à sa phrase, hein, sur Dieu, et on en a une vision très, très négative. Mais Nietzsche, avant d'avoir une critique
profonde de la société cléricale et de la religion, et même de Dieu. Il faut savoir qu'il avait aussi une critique vraiment. Il ne se gênait pas, pourtant on était au début de la société moderne, mais il ne se gênait pas de la critiquer profondément. Pour lui, ce n'était pas la solution. Autant la société cléricale, hein, qui avait mis sa chape de plomb sur les esprits des gens, était un problème, il le disait clairement, il ne se gênait pas. Mais autant la société qu'il voyait apparaître était une société qui critiquait. Et il disait que justement ce délitement dans les liens entre les gens, lui il l'appelait la décomposition. Il disait la décomposition, l'incertitude est le propre de cette époque. Il n'y a nulle part de fondement solide, ni de foi assurée. On vit pour le lendemain, car le surlendemain est incertain. Donc si on pouvait avoir une définition de la société postmoderne, c'est la société dans laquelle on vit actuellement, c'est bien celle-là. Ça veut dire c'est le plaisir immédiat, c'est profiter maintenant aux dépens des autres générations, aux dépens des autres générations. Vous savez, quand on parle du bonheur sur Terre, on peut pas ne pas revenir. Vous savez que quand on définit le bonheur, quand vous définissez le bonheur, vous donnez le sens. Si vous dites que le bonheur, c'est avoir une voiture, donc c'est ça le sens de votre vie, c'est avoir une voiture. Quand vous définissez le bonheur, vous définissez l'objectif. Hein, c'est ça. Mon objectif, c'est d'arriver à ça. Si j'ai ça, je serai heureux. Si j'ai pas ça, je ne serai pas heureux. Si je suis comme ça, je serai heureux. Si je ne suis pas comme ça, c'est ça. C'est quand on définit le bonheur, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça définit en vrai compte le sens de toute la vie. Quand il y a deux conceptions qu'on véhicule un peu, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la société, un peu dans les publicités. Il y a deux conceptions. Il y en a qui nous diront que le bonheur, c'est l'oubli de soi. Hein? Quand on parle de s'éclater, c'est ça. Quand on va s'éclater en boîte, c'est ça, c'est s'oublier. Et que, pour certains, vivre, parce qu'on sait, tout le monde sait, que le bonheur, c'est pas un état permanent, qu'on a des moments de bien-être, de bonheur, et qu'à un moment donné, eh ben, c'est bon, quoi, ça va exploser. Et quand ça explose, j'ai besoin de m'oublier. C'est une des manières de concevoir le bonheur, c'est l'oubli de soi. Vous savez, la question de la nuit, elle est fondamentale. C'est pas par hasard qu'on va en boîte de nuit. C'est pas par hasard que le moment où on s'éclate, c'est la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, c'est le moment où les choses se mettent en pause. La nuit, c'est le moment où les choses s'arrêtent. La nuit, c'est le moment où vous êtes seul. Et quand on est seul, on est avec soi-même. Et quand on est avec soi-même, on se pose des questions. Et quand les questions sont trop lourdes, etc., et ben on peut faire s'oublier. C'est pour ça que la nuit, c'est fondamental. Si vous voulez savoir où vous en êtes au niveau de votre intériorité, regardez comment vous vivez vos nuits. L'indicateur, c'est les nuits. Quand Dieu dans le Coran dit que le Coran du Fajr, le Coran de 1 heure, le Coran de très tôt avant les premières lueurs du jour, il parle du Coran à ce moment de la nuit. Pourquoi ? Parce que tout le sens du Coran, toute la profondeur du Coran, il vient dans ces moments où tout s'apaise. C'est-à-dire que la nuit, c'est à la fois le moment où on veut s'oublier à tout prix, parce que tout s'arrête et on se pose des questions, on ne veut pas se poser ces vraies questions. Et pour d'autres, c'est le moment du sens profond. C'est le moment du prière, c'est le moment du recueillement, c'est le moment où on pense. Ça, c'est un premier point, je disais, s'oublier. Ça, les hédonistes, hein, ça veut dire c'est le plaisir immédiat. Et le plaisir immédiat, c'est s'oublier. Souvent, ça se fait aux dépens des autres. Souvent, c'est toujours dépendant, c'est pas souvent, c'est parce que constamment on dépend des autres, mais c'est ça. Le second volet, donc là on va vous parler du bonheur dans cette société moderne, ce n'est pas s'oublier, au contraire, c'est revenir sur soi, c'est la contemplation. C'est en fin de compte, c'est dire c'est une erreur de s'agiter comme ça.
peut s'agiter la journée, peut s'agiter la nuit. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Le vrai bonheur, c'est revenir avec soi-même. C'est se consulter, c'est être avec soi, c'est se poser. Et ça, vous l'avez dans différentes méditations orientales, vous l'avez dans des religions, et vous l'avez même dans des méditations, même des laïcs, qui vont vous parler de spiritualité laïque, en disant que même dans la laïcité, c'est-à-dire dans la sécularisation, ça veut dire dans la rupture avec Dieu, c'est pour certains, la rupture avec Dieu, il y a une spiritualité, et cette spiritualité, c'est quoi? C'est me retrouver entre moi et moi, et discuter avec moi-même, etc., et rester profond, et non pas superficiel. C'est possible même sans Dieu. Certains vous diront ça. Là où il y aura problème dans cette manière de concevoir, parce que c'est une manière, c'est un peu aussi dans le management qu'on reprend toutes ces idées-là. Si tu le veux, tu le peux. Il faut juste que tu reviennes avec toi-même. Tu vois, le pouvoir est en toi. C'est même dans le management, on a beaucoup ça, c'est beaucoup, maintenant c'est très fort dans nos sociétés, et on est en train de cultiver en même temps, ben on fait les deux en fait, l'un ne contredit pas l'autre. Le samedi soir on sera en boîte de nuit, et le dimanche matin on sera en contemplation avec soi-même. C'est pas réellement contradictoire, ça peut s'associer pour certains. Le seul problème, c'est quand vous êtes avec vous-même, et bien, quand vous êtes avec ce que Dieu nous a mis en nous, c'est très profond, certains appelleront ça la fitala, c'est ce qu'on appelle cette conscience de soi, ce que les éléments n'ont pas, ce que les animaux n'ont pas, que seul l'être humain a, cette conscience de soi s'accompagne aussi de la conscience de notre mort. Et ça, c'est une fatalité, c'est une chose que nous avons nous-mêmes. C'est quand vous êtes avec vous-même, vous prenez conscience qu'il y aura une fin. Vous prenez conscience que Dieu nous a créés comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est la naissance, c'est l'enfance, l'adolescence, adulte, et après c'est la, après à un moment donné, arriver à un âge, c'est que ça peut être que la décadence, un peu comme les systèmes civilisationnels. C'est-à-dire que ça peut être que comme ça, que le lendemain sera toujours plus difficile et plus pénible pour nous, et que quand vous arrivez à un certain âge, vous voyez les gens mourir, vous voyez vos parents mourir. Vous voyez vos grands-parents, vos parents, puis après vos frères, vos sœurs, et après vous savez que votre tour arrive. Et c'est ça la vie. C'est ça. On disait, quand on voit vieillir, c'est apprendre à. Vieillir, on disait, c'est apprendre à. Vieillir, c'est mourir un peu. Ouais, c'est mourir un peu. Vieillir, c'est apprendre à vivre la mort des autres pour préparer la sienne. C'est ça. Car arrivé à un moment donné. Vous passez votre temps, vous savez, quand on était petit, on voyait nos parents dire on part assister au deuil d'une personne, d'un oncle qu'on connaissait à peine. Plus vous grandissez, plus vous voyez que la question de la mort s'approche de vous. Et plus elle est. Et ça, c'est quelque chose qui est profond. C'est très profond en nous. Parce qu'en fin de compte, ce qui est dramatique dans la mort des autres, c'est que ça nous rappelle la nôtre. Et qu'il y aura une fin. Quand vous avez ça, on comprend que certains. Préfère aller s'éclater. Parce que quand vous ne donnez pas de sens à ça, quand vous ne donnez pas de sens à votre fin, ben y a deux solutions, c'est de dire on vit dans le drame, ce drame humain, de dire qu'il y aura une fin pour nous, et ça sera de pire en pire, ou bien on donne un sens à cette mort. On donne un sens à cette mort, et qu'en fin de compte, cette mort-là n'est pas la fin, mais c'est le passage à une autre vie. Et en fait, compte, cette autre vie, c'est l'essentiel de la vie. Est-ce qu'on laissera après notre mort, ça sera. Ce qu'on laissera après notre mort et qui restera après notre mort, ça sera l'essentiel. Cet essentiel-là qu'on a négligé pendant qu'on était vivant. Et c'est la question de la mort. C'est quand on vous parle du bonheur, parlons de la mort. Parlons d'une réalité. C'est-à-dire, autant on peut débattre sur des sujets en disant Dieu existe, Dieu n'existe pas, diront ça. Mais personne ne pourra me dire que la mort n'existe pas. Personne ne pourra me dire ça. La mort existe. Vous êtes destiné à mourir. Vous êtes programmé pour mourir. Et quand on est dans ça, on peut après parler de bonhomme. Et on comprend un peu cette dualité. Vous savez, le bonheur, c'est la paix intérieure. C'est la paix intérieure, c'est ça, c'est Sakina, c'est ça, c'est la paix intérieure.
Mais la paix intérieure, c'est la tension. La paix intérieure, c'est la tension. C'est un conflit. C'est un conflit. Le bonheur, c'est pas les oiseaux qui chantent. C'est pas le tout va bien dans le meilleur des mondes. Le bonheur, c'est vivre la tension et faire le lien. Faire le lien entre le riche et le pauvre, faire le lien entre l'homme et la femme, faire le lien entre le gouvernant et le gouverné, faire le lien, c'est-à-dire Dieu a tout créé par deux. Dieu a tout créé par deux parce que les créatures vivent ce fait-là. Et le Créateur, il est un. Le Créateur est un. Et nous, nous devons suivre ce chemin-là en faisant en sorte que réunir ce qui est deux. Et réunir ce qui est deux, on peut le faire au nom de Dieu. C'est notre devoir à nous de faire en sorte qu'entre le frère et la sœur, les liens se fassent. Qu'entre l'homme et le mari, entre les conjoints, entre l'homme et la femme, le lien se fasse. Qu'entre le riche et le pauvre, le lien se fasse dans la justice. Qu'entre le gouvernant et le gouverné, le lien se fasse aussi dans la justice. Et tous ces opposés qu'il y a dans notre vie, c'est une tension. Une tension entre nos consciences, entre nos consciences, notre inconscience. Une tension entre la vouloir de bien faire et le péché. Même le péché. Et qu'en fin de compte, malheur et bonheur, c'est une autre dualité, ce ne sont qu'une dualité. C'est une dualité de plus. Et que le but, ce n'est pas de dire on va vivre constamment dans le bien-être, etc. Tout, et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire comment je perçois le malheur qui m'arrive. Un décès, un travail, un divorce. Comment je me comporte dans le malheur, parce que c'est un malheur, c'est quelque chose de négatif, etc. Comment je me comporte et comment je me comporte dans le bonheur. Comment je me comporte quand tout est acquis. Comment je me comporte quand Dieu me donne ce que j'ai toujours voulu avoir. C'est ça l'essentiel. C'est pas parce que celui qui se comporte, qui pense que le fait d'être pieux, par exemple, prendre quelque chose de pieux, ou d'avoir ce qu'il veut, ça, et qui considère que ce n'est que le résultat de ses efforts, cette piété ou son avoir-là le conduira à l'enfer. C'est ça. Celui qui utilise son péché pour être un moyen pour aller vers Dieu, pour un moyen pour avoir à repentir et pour se poser des questions, ce péché-là va le sauver. Ça veut dire ce qu'on conçoit comme étant un malheur, ce qu'on conçoit comme étant un bonheur, tout dépend de la manière dont vous percevez et comment vous l'utilisez. C'est ça le fondamental. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi l'objectif? C'est quoi la finalité? C'est le retour. La finalité, c'est ça, c'est le retour vers la source. Sharia, c'est le retour vers la source. Quand on dit qu'on veut Sharia, c'est qu'on veut le retour vers la source. La source, c'est Dieu. Et qu'en fin de compte, tout ce qui vous arrive dans ce monde ici-bas doit être prétexte au retour. Quand ce qui vous arrive de ici-bas, ce que vous croyez être un bonheur ou un malheur, n'est pas prétexte à un retour vers Dieu, c'est un échec. Ou une malédiction. Quand tout ce qui vous arrive de bien ou mauvais est prétexte au retour à Dieu, c'est une ni'ma. C'est le sens du hadith sur la question du péché. Vous disiez que si vous n'étiez pas un peuple qui pêche, je vous aurais fait disparaître et je vous aurais remplacé par un autre peuple qui pêche et qui demanderait pardon, qui demanderait le retour à Dieu, etc. C'est ça le sens. Le sens, c'est que, en tant qu'être humain, vous êtes destiné à vivre la tension de la dualité. Cette tension-là, utilisez-la pour aller vers moi. Utilisez-la pour aller vers Dieu. Ne la niez pas. N'essayez pas de croire que vous pouvez la dépasser par vous-même. Vous la dépasserez que par le retour vers Dieu. Et c'est ça le sens du bonheur selon nos sources. Wallahu a'lam. Wa kalla wa fikum.